Hello tout le monde, aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être consacrée à la construction, la fabrication de mon terrarium, pour un de mes boas. Alors ça va être un terrarium qui est de 160 de large, 50 de profondeur sur 40 de haut. Alors pour ces dimensions, que je dis pas de bêtises, hein, on a des planches 2, donc celle du dessus et celle du dessous, qui font 160 par 50. On a la planche qui est du fond qui fait 157 par 37. On a les deux planches de côté, que je dis pas de bêtises, qui font 50 sur 37 de haut, et j'ai mis une traverse pour mettre en bas, donc pour faire reposer la vitre avec l'aération que je vais faire par la suite, donc qui elle de mémoire fait 157 sur 10 cm de haut. Voilà, donc on va commencer à faire l'assemblage, à mettre toutes les planches à plat, sortir la visseuse, dévisseuse, sortir les vis, sortir les accessoires, et on va monter le coffrage. Donc la principale chose aujourd'hui, ça va être le coffrage, plus mettre les tourillons, pour faire le renfort donc à l'intérieur du coffrage. Voilà. Yeah. The future of hip-hop is taking it back. Back to B-boys break beats on the tracks. Back to MCs that don't suck D's. Back to DJs cut it up with these. Back to grab tags up on the brick walls. Back to yes y'all Shibuya roll call. Back to back to fast albums in the crates. Back to a time when the music felt great. Back to looping samples up on the SP. Back to tapping beats out on the drum machine. Back to arms crossed instead of back to back. It's props to the peeps, bring it back, that real rap. Come on. Back to the future, back to the past. Back to the rhymes that forever last. Back to mic checks, 1, 2, 1, 2. Back to wreck mics, cause that's what I do. Back to pause tape loops on cassette. Back is coming back, but it ain't back yet. Back to bringing back, back to the front. Back to break beats, being all you really want. Back to the front and back to the side. Back to the back and forth, fade or slide. Back to a ball, a rim and a mic. Back like the digital, do what you like. Back to the underground, back to the sound. Back to ground zero, back to low down. Back to the shadow, back to the lounge. Back like a new jack, how can I be down? I was 12 years old, and when I first heard this music, brother, I was sold. Cause when I first heard this music, kid, I was told that the music that you're hearing now is so damn cold. And there's nothing you can substitute or even mistake for that feeling that you get when you dig in the crates. And when you pull out that record and you discover the break. And if you dig in what I'm saying, then I know you relate. Because it's bigger than music, bigger than you and me. Big up to any of my peoples who could truly see that it's only up to us now, and who are we? If we can get back to those who showed us who we could be. Cause this is hip-hop rap, graffiti and B-boys. B-girls gonna rock till the floor is destroyed. Put the needle on the record, hands up and rejoice. A God-given duty for us to bring noise. Back to the back, to back, back to back. Back to the back, to back, back to back. Back to the back, to back, back to back. Back to the back, to back, back to back. Back to the back, to back, back to back. Back to the back, to back, back to back. Voilà, le terrain par lui-même est terminé, entre guillemets, pour la phase assemblage. Je vais mettre des équerres à l'intérieur pour pouvoir bien finaliser, bien solidifier tout le reste à l'intérieur. Donc je vous ferai une vidéo d'ensemble pour la prochaine. Là, on est sur la fin de la première partie. Je vais vous montrer quand même un truc. Je fais plus de 85 kilos. Voilà. Na, 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 na. Voilà, donc ça tient bien. Je suis assez content de moi. Donc, faut savoir que... Voilà, donc je suis vraiment content. Bon, voilà, donc le terrain, je l'ai remis sur le flanc.
sur l'arrière, pardon. Donc vous voyez, on a une, deux, là, celui-là, elle est ici, pourquoi? Parce que ça permet au niveau de la vitre. Donc vous voyez, je vais pas mettre des très très grandes vitres pour éviter qu'elles soient... Plus les vitres sont plus petites, plus elles seront résistantes. Donc voilà, ça sera comme ça. Donc avec deux renforts, des tourillons au milieu. Et là, plus le champ arrière qui est comme ça, il va être consolidé. Donc normalement, ça devrait bien tenir. Sachant que je vais quand même alléger les autres terrariums. Donc voilà, donc on n'a pas une grande espace vitré. Avec la lumière, ça va être assez sympa. Voilà, donc voilà pour la première partie. Je vais encore bricoler un petit peu pour faire quelques finitions. Mais voilà dans l'ensemble le terra donc en 160, 50 par 40. Donc je vais quand même pas vous laisser sur la fin sans vous montrer un reptile. Donc je vais vous montrer mon boa albinos sharp donc en séquence nourrissage. Donc je vous dis à bientôt. Pensez au pouce bleu, pensez au partage, pensez à bien cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles sorties vidéo. Sur ce, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. On a dépassé la barre des 4100. Donc merci à vous. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez envie de faire un don, vous avez le petit icône PayPal. Vous cliquez dessus, vous me donnez ce que vous avez envie. Donc je le précise bien, c'est pour acheter du matériel. Et voilà, tout simplement. Et ça me permet en même temps de vous faire des tests produits. Et je pense que c'est pas mal dans le fond. Voilà, sachant aussi que je ne me fais pas sponsoriser. Donc je ne touche pas des produits gratuitement pour les tester. Je les achète avec l'argent, voilà. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou soirée. Je sais pas à quelle heure va sortir la vidéo. Donc voilà, à bientôt sur la chaîne Celtic Reptile. Bye bye tout le monde. Material world, the things that fade.